qu'un glacé avec un teint de soleil. Ravalé, empressé, mes conneries proférées sont le destin du monde et je n'ai pas le temps. Je finis ma carrière est en jeu, je suis l'homme mégatique. Je suis plus que politique et je vais vite, très vite. Je suis une comète humaine universelle. Je traverse le temps, je suis une référence. Je suis omniprésent, je deviens omniscient. J'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe, j'en parle, peu importe, je sais. J'ai les hommes à mes pieds, 8 milliards potentiels de crétins asservis à part certains de mes amis. Le même monde que moi, vous n'imaginez pas ceux qui ne sont guère. Living free, seasons staying on the one way around.
Give me
too. Hurt each other, then we do it again. You said love is a temple, love a high alone. Love is a temple, love a high alone. You ask me to enter, but then you make me groan. I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other. Merci. Merci. Tu viens de rejouer un peu ? Grave. Oh là, t'imagines pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce confinement ? Parce que... On a déprimé dans un premier temps. On a pris du poids dans un deuxième temps. Après, on a fait un petit peu comme les autres groupes, on a fait un peu de live streaming pour rester présent avec les gens qui nous suivent. On a fini notre album. Et on a fait un nouvel EP. Un nouvel EP 6 titres en français. Exclusivement sur des thèmes qui touchent à cette crise qu'on a vécue, qu'on a traversée, qu'on espère maintenant derrière nous. Hein, et donc on a profité aussi pour faire un nouveau clip que vous pouvez voir sur YouTube qui s'appelle « D'année à perpétuité ». Et le nouvel EP sort avec un CD, 6 titres, et avec un DVD, avec le clip, et aussi un reportage qui explique tout
notre façon de travailler, de la création de la chanson jusqu'à l'enregistrement du clip, parce qu'on fait tout, nous, de A à Z. En deux mots, l'actu du groupe, album en préparation, en sortie, concert, c'est purement prochainement dans le secteur. Non, c'est parce qu'en fait, on a eu pas mal de demandes, en fait. On a fait un EP plus deux albums, et il y avait toujours, comment vous faites vos trucs et tout ça. Et du coup, on a décidé de montrer l'envers du décor d'une façon un petit peu rigolote, parce qu'on l'a pas fait vraiment hyper sérieusement, mais ça dure quand même 30 minutes. L'idée, c'est de dire aussi, quand les gens regardent un clip, ils voient le clip, mais ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière, l'imagination d'un scénario, de trouver des lieux, tout ça. Et tout ça, c'est un travail, ça prend du temps, et on s'est dit, pourquoi ne pas montrer ce qu'on a fait, parce que ça peut être aussi intéressant. Et si tout va bien, ça devrait arriver mi-juin. 18 juin. Pour 17, la fête de la musique. Normalement. Non, le 17. Si ça n'a pas de retard, ça arrive le 17. Voilà. Pour le nouvel album et pour l'actualité pendant le confinement. Alors, on a un site internet Blackstage Music avec un C.fr sur lequel vous pouvez trouver toutes nos dates. Et on est vraiment content parce qu'il y en a pas mal qui se sont calés. Notamment, on a plusieurs formules avec Blackstage, duo, groupe reprise, groupe compo, et là on favorise de plus en plus ce groupe reprise parce qu'on a l'arrivée aussi de Rudy dans le groupe qui est tout nouveau à la batterie, qu'on salue et qu'on remercie d'être avec nous. Et donc vous pouvez trouver notre date, la plus importante, ça va être les Estivales du Château, où on sera le 7 juillet dans la cour du Château des Ducs de Savoie. C'est le rattrapage des 10 ans qu'on aurait dû faire l'année dernière, voilà. Donc ça a été annulé cause Covid évidemment, jauge, tout ça. Et c'est rattrapé, ils nous ont reprogrammé. Et après, il y a plein de dates dans la région et aussi en dehors, dans le sud, dans le Jura. C'est interplanétaire. Sur la ligne. Disons qu'on avait fait notre tournée européenne des Hard Rock Café en 2018. Après, on est allé jouer à San Francisco aussi en 2019. Et puis après, il y a eu ce Covid qui nous a freinés. Et donc, on devait aller à Hambourg, on a repoussé trois fois la date, et là, elle est de nouveau recalée pour le mois d'octobre, et on croise les doigts pour qu'on puisse y aller cette fois. Merci, Blackstage, d'être venu fêter la musique avec nous dans les studios de Savoie News. Merci, Savoie News, de nous avoir accueillis aujourd'hui, et pour toutes les fois où vous nous accueillez, c'est toujours un super moment.